Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons voir le travail à plat sur un tricotage géant semi-automatique. Donc pour le travail à plat, on va monter les mailles comme je vous l'ai montré et vous vous arrêtez juste à la longueur désirée. Donc on passe un dedans, on évite, un dedans, on évite, un dedans, on évite. Donc là, on va prendre 10, on va faire un petit projet. Donc, on met la bobine en dessous pour pas gêner. Alors, pour le travail à plat, on va faire des allées et venues avec le fil. Donc là, on fait en sorte que le fil passe dedans. Donc, on revient en arrière. Le fil doit passer dedans, dans tous les crochets. Hop, on est revenu à notre point de départ. On revient en arrière. On évite. Hop, on rentre dedans. On tient le fil. On revient en arrière. Hop, on passe dans le crochet. Et ce, jusqu'au bout. Donc en fait, à chaque fois, on arrive au bout. On prend le fil, pas qu'il sorte de notre crochet. Hop, on passe au-dessus, donc on ne prend pas. Et on le passe ensuite dans le suivant. Et on fait la même chose jusqu'à ce qu'on ait la longueur désirée. Je vais vous faire voir encore quelques fois. On prend le fil, on évite le crochet, en fait on laisse le fil dedans. Hop, on tourne, on passe dans le crochet suivant. Hop, puis dans tous les crochets jusqu'au bout. On est revenu au premier, on prend le fil, hop, voilà, là il est sorti, donc on le remet dedans, on passe comme ça, hop, et là on le passe et on continue. Voilà, il est dedans, donc on passe dessus. Dedans et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur désirée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est pas assez précis, pardon, je referai une vidéo.